Voilà, pendant que les musiciens nous rejoignent, je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce concert. Je ne sais pas si vous avez aussi une réverbe énorme, mais moi j'en avais une. Mais comme j'aime beaucoup ça, c'est très bien. Voilà, j'ai commencé avec Loua. C'était un morceau qui est sur un album que j'ai composé en 2005, donc ça fait quand même assez longtemps. On espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Et voici Douar. Thank you.
Alors, pour info, le prochain morceau s'appelle Apollo U 16 et il se trouve sur un album qui s'appelle Apollo U 16, partie 1, parce qu'il y en a deux. Deux parties donc. Thank you.
Voilà, j'avoue que ça fait très bizarre de jouer devant une salle vide, mais on est tous d'accord que c'est mieux que rien, évidemment, dans ce contexte qu'on connaît tous. On est super heureux d'être sur une scène et de jouer. Et malgré tout, vous n'êtes pas ici avec nous, mais vous êtes quelque part. Et ça, c'est juste parfait. On va poursuivre avec la suite du concert. Et c'est 13,7, une petite intro, enchaînée avec Kiss from Lion dans une ambiance beaucoup plus douce et mélancolique. Thank you.
Voilà, à présent, je vais prendre le temps d'accorder ma guitare pour le prochain morceau. Et pour pas que ce temps vous paraisse trop long, je me suis dit que j'allais proposer à Étienne de combler ce silence. Tu es d'accord, Étienne ? Je suis super d'accord. Merci, merci, vas-y. C'est amusant parce que je prends mon micro comme ça parce qu'il ne tient pas bien. Je suis très heureux d'être là, moi, parce que Karim m'a invité et il m'a dit pour ce concert, ça fait presque un an qu'on n'a pas fait de concert. Ça fait presque un an que je ne suis pas monté sur scène et il m'a dit « Viens au Festival des Beaux-Arts, tu vas voir, le public est extraordinaire. » Évidemment, c'est mon ami, je l'ai cru sur parole et c'est la première fois de ma vie qu'après le concert, ben, je ne pourrai que le croire sur parole. Donc, j'en profite pour raconter une petite anecdote parce que j'ai un peu le temps. Ça fait presque 20 ans que j'ai rencontré Karim et le premier concert... le tout premier concert où il m'a demandé de jouer avec lui, c'était pour un remplacement. À l'époque, il jouait avec un magnifique musicien qui s'appelle Osvaldo Hernandez. Et je me rappelle très bien parce que j'étais en tournée et je regardais un documentaire sur la RTBF sur Osvaldo. Et je me suis dit, waouh, quel musicien extraordinaire. Puis j'ai rencontré Karim quelques jours plus tard et il m'a dit, est-ce que tu peux venir m'accompagner? Et j'ai dit, bah oui, oui, effectivement. Et puis j'ai réalisé que son percussionniste, c'était le gars que j'avais vu dans ma télé. J'étais hyper stressé. Et ce qui est amusant, c'est que 20 ans plus tard, même si on est très amis et que je te connais très bien, ben, en jouant avec toi, je crois que j'ai toujours stressé de la même manière. Et tu ne m'avais pas raconté cette anecdote? Non, voilà, surprise. Merci Étienne. Bon. Thank you.
Voilà, c'était Downtown. Et comme il faut que je réaccorde ma guitare comme le morceau d'avant, je vais à présent me tourner vers mon ami Silvano Macaluso. Je me tourne vers lui parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui également en studio pour justement les deux albums dont je vous ai parlé tout à l'heure, Apollo 16, partie 1, partie 2. Et voilà, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Donc il a mixé ces deux albums et on a enregistré une partie là-bas. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot pendant que je m'accorde, Silvano, s'il te plaît, merci. Oui, avec plaisir. C'est un grand plaisir pour moi aussi, toujours de travailler avec, avec toi, forcément, et avec tous les amis ici, présents. Et que dire, oui, cette chanson, en fait, pour moi qui est pianiste, j'ai découvert vraiment tout l'univers de Karim il y a quand même quelques années. Et c'est vrai que quand il m'a dit, voilà, ce morceau, Apollo Recall, essaye de l'adapter au piano. Et c'est vrai que quand on écoute l'album avec la version que guitare, c'est quand même très particulier. C'est un jeu voilà, totalement spécial pour le piano, en fait. Donc j'ai vraiment dû adapter mon jeu. Et voilà, c'était quand même pas mal de boulot. Mais au final, je trouve avoir développé une technique grâce à Karim. Et voilà, c'est ce qui permet de créer un morceau comme ça en totale connexion, on va dire. Et voilà, c'est un super morceau qu'on va découvrir très bientôt quand toutes les cordes de Karim seront accordées. Non mais voilà, c'est un grand artiste, je suis vraiment très fier de participer à ce projet, que ce soit amicalement, musicalement, en studio et en faisant du foot aussi, parce qu'on fait du sport ensemble aussi. Silvano, merci, hein. Je ne l'ai pas payé pour qu'il dise tout ça, je vous promets. Hein. Mais c'est vrai qu'on fait du foot par contre, mais pas pour le moment, bien entendu. C'est vrai. Mais j'ai hâte, on a tous hâte. D'ailleurs, à part Caroline, on s'est tous retrouvés sur un terrain ensemble, je précise. C'est parti pour faire de la musique. Thank you.
deux secondes. Hein. Voilà, c'est... Eh bien, on est quand même dans un festival flamenco et le morceau qu'on va jouer à présent est quand même le plus flamenco de, du répertoire. Il s'appelle Dulcinea et voilà, c'était juste pour souligner simplement ça en fait, pour faire un petit peu hommage et honneur à ce festival. Pour moi, le flamenco, ça m'a pris une énorme place dans ma vie de musicien. Ça m'a vraiment boosté, ça m'a donné beaucoup de passion et d'envie de travailler. J'ai pris exemple sur les plus grands pour pouvoir faire mon petit parcours à moi. Et voilà, ça fait plaisir de pouvoir être ici. Et je pense par exemple au El Grande Paco de Lucía. Justement hier, j'ai regardé un documentaire sur lui. Enfin, j'en regarde un toutes les semaines. Non, et toutes les deux semaines. Bon, toutes les trois semaines, mais souvent, j'en regarde un. Et voilà, ça fait toujours la même chose. Et voilà, je suis venu souvent et très souvent le voir ici aux Beaux-Arts. Et c'est des souvenirs inoubliables. Voici Dulcinea. Thank you.
Voilà, j'ai quand même apporté mon oud parce que c'est un instrument qui fait partie de mon répertoire, qui fait partie de ma vie et qui fait partie de la culture espagnole. Pourquoi pas aussi, parce que c'était un peuple voisin. Et on ressent aussi quand même beaucoup dans ses gammes, dans ses harmonies, le El Duende arabe aussi finalement. Il n'y a pas que El Duende flamenco, il y a El Duende du Moyen-Orient qu'on retrouve un peu mélangé dans toutes ses harmonies et ses arrangements en flamenco. Donc voici Deep Trio. Se termine. Merci d'avoir été présent devant votre écran pour participer à ce concert, ce festival. Je voulais remercier toute l'équipe technique des Beaux-Arts et du Bruselas Flamenco Festival. Je le dis avec l'accent parce que c'est trop gay, Bruselas Flamenco Festival. Et donc voilà, merci à tous parce que c'était une
une belle journée de bonheur et de plaisir en musique. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, vous présenter les musiciens qui sont avec moi sur scène. Et voilà, je vous présente Silvano Macaluso qui fait le clavier, merci. Je vous présente aussi Yuri Nanaï qui fait la basse électrique, merci You. Alors Vivian Ladrière aux percussions, merci Vivian. Étienne Serque qui fait aussi les percussions, merci Étienne. Et alors Caroline de la Serna qui chante et qui va faire du bombo dans le prochain morceau. Merci Caroline. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Salut à tous. On va terminer avec Mr. Lee. À bientôt et bon vent à tous.
son, quoi. J'ai pas mis de bon son. Ah ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à faire les... Ça va ?